We've already changed the game. We made the story real and the journey epic. I bring you the president of hoops. Oh, the president of hoops. Good to meet you. We let you start your own legend and test yourself against the world. Fresh squeeze, orange, always true. NBA 2K has already transformed sports gaming, but now we're doing it on a whole new level. Because this year, you don't just play the game, you live it. Welcome to the neighborhood. You've got a long road to walk and a world to explore if you want to become the greatest of all time. A world where the games get wild at the zone. And the style gets real at Swags. Where you can get a fresh cut at the barbershop. And new kicks at Foot Locker. And you're gonna need them. Because in the neighborhood, you walk your own path. And everyone on the streets is either helping you up or holding you down. While the journey's changed, the destination never will. Moolala! We did it, baby! Along the way, earn badges, attributes, and VC anywhere you choose as you level up on the road to 99. This year, you decide how you play NBA 2K's My Career Mode. What I did tonight is what I expect from myself every single night. But remember, if you want to roll with the greats, first you gotta run the neighborhood. What's up les gars, New York City, on se retrouve sur NBA 2K16 et on va parler de NBA 2K18. Alors, selon le titre de la vidéo, vu que c'est quand même le but, je vais vous communiquer tout de suite comment arriver à 99 de général le plus vite possible sur NBA 2K18, à savoir que maintenant, il n'y a plus de réputation comme on la connaît, mais la réputation se fait bien par rapport au général de ton joueur. Donc maintenant, comment arriver à 99 de général le plus vite possible sur NBA 2K18? L'astuce, c'est la suivante. Ne restez surtout pas dans le même mode de jeu. Ne restez surtout pas seulement au parc. Ne restez surtout pas seulement au pro-am. Ou encore seulement en carrière. Le plus important est pour grinder votre joueur le plus vite, du vite possible. C'est bel et bien de mixer tous les modes de jeu. Et je dis bien tous les modes de jeu. C'est-à-dire parc, playground, carrière. Pro-M, tout, faites tout de A à Z. Donc maintenant, je vais vous expliquer en fait comment ça va se passer pour cette année de 2K18. Donc tout ce que vous faites avec votre joueur, tout ce que vous faites sur le jeu, que ce soit en mode en ligne ou en mode carrière, tout ce que vous faites aura un impact et va vous permettre de monter de niveau et de grind sur le jeu tout simplement. Donc tout ce que vous faites a un impact. Que tu sois en carrière, que tu sois au pro-am, que tu sois dans mon parc, tu vas grind H24. Tout ce que tu fais a un impact et a une importance dans le jeu. Donc ça, c'est bel et bien une information officielle. Ne restez surtout pas dans le même mode de jeu pour tous ceux qui veulent grind, aller en carrière, comme en pro-am, comme en playground, comme partout. Allez vraiment, vraiment partout. Voilà, la petite parenthèse est faite, maintenant on va parler de ce trailer. Oh mon dieu, un open world les gars. Alors, l'évolution, alors je tiens à préciser, hein, je tiens aussi à m'excuser par rapport à ma vidéo réaction sur ce fameux gameplay de NBA 2K18, à savoir que au niveau réaction, je suis nouveau au niveau réaction, je n'avais jamais fait de vidéo réaction auparavant, j'apprends encore de mes erreurs. J'apprends à faire des vidéos réactions maintenant. Quand il s'agit de 2K, quand il s'agit de quelque chose quand même de très important pour moi, que ce soit sur tous les points, je vois toujours le côté négatif.
dans le but non pas de critiquer ou de savoir faire mieux, mais dans le but que ça s'améliore pour que ce soit excellent, voire même parfait. Donc, ce trailer, les gars, il est juste énorme. Je sais que vous l'avez vu au départ de la vidéo. Le trailer est juste énorme. C'est un truc de malade. C'est un truc complètement de malade. Alors, on a tout. On a du skate, des BMX, on a le playground, on a des terrains de 1v1, des terrains de 2v2. On a un terrain de 1v1, c'est King of My Court, hein, quelque chose comme ça. C'est King of My Court, ouais, un truc comme ça. C'est un truc de ouf. On a 1v1, on a concours de 3 points, concours de dunk, les 3 affiliations, un terrain de légende, le Wall of Fame, le Foot Locker, un barbershop. Waouh, une salle d'entraînement. Les gars, dans le playground au parc, tu peux aller jouer au parc, tu peux sortir du terrain, traverser l'open world et arriver dans la salle de sport pour encore plus grind ton joueur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la possibilité, les possibilités qu'on a sur NBA 2K18 sont juste énormes. Un autre point très important à souligner au niveau de NBA 2K18, c'est que nous serons plus du tout les mêmes. Nous serons plus du tout pareils. Tout le monde sera différent. Les gars, il y a à peu près plus de 200 combinaisons d'archétypes. Ok? On a plus de 200 combinaisons d'archétypes. Et à savoir que les badges en Hall of Fame ne seront pas à la portée de tout le monde. Les badges en Hall of Fame, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Si tu mixes un archétype avec un autre, c'est certes tu auras un avantage au niveau de ton overall, au niveau du tu peux shooter, dribbler et compagnie. Oui, tu auras un avantage à ce niveau-là. Mais le fait de mixer les archétypes ne va pas te donner la possibilité d'avoir tous les badges en Hall of Fame. Okay? Si tu veux avoir tous les badges en Hall of Fame, il faut que par exemple tu crées un rebondeur, archétype premier, et un rebondeur, archétype secondaire. Okay? Archétype primaire doit être le même que l'archétype secondaire si tu veux avoir tous les badges en Hall of Fame. Et c'est quelque chose que j'avais prédit. J'avais prédit un archétype primaire et un archétype secondaire. Je savais que ça allait se passer comme ça. Maintenant, les gars, on ne sera plus du tout les mêmes. C'est fini. Vous ne pouvez plus faire le même archétype que moi, le même joueur que moi, et avoir le même niveau. Ça ne se passe plus de cette manière. Ça va dépendre du nombre d'heures que vous restez sur le jeu. Ça dépend de tellement de critères. C'est que ton joueur est maintenant personnel. Je ne sais pas si tu comprends la chose. C'est que si tu ne vas pas dans la salle de gym, tu seras moins fort que moi. Si tu ne vas pas au pro-am comme en carrière, tu grinderas moins vite. Donc c'est ce que tu fais devant ton NBA 2K qui va faire ton joueur, qui va faire ton niveau en fait. Et surtout, maintenant que le stage est totalement permanent, ce sera à toi de créer ton propre planning et de savoir qu'est-ce que tu vas faire à quel moment. Donc je vais vous communiquer maintenant mon propre planning, qu'est-ce que j'ai mis en place pour le grind de mon joueur. C'est tout simplement la semaine, c'est du parc et de la carrière. Et le week-end, c'est du pro-am. Ok, sincèrement, c'est la façon mais la plus rapide de grind. Toute la semaine, c'est du parc et de la carrière. Le week-end, c'est du problème. Rien de plus. Sincèrement, rien de plus. Et maintenant, voici quelques exemples. Un passeur dribbleur mixé avec un shooter à 3 points. Les points faibles seront les dunks, l'attaque au poste, le rebond et les blocs. À savoir qu'il n'aura aucun badge en Hall of Fame. Et si on prend maintenant un meneur passeur dribbleur et un meneur passeur dribbleur, c'est-à-dire meneur, 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 il aura tous les badges qu'on connaît déjà en Hall of Fame. Ok? Il aura Dimer, Ankle Breaker, Pick and Roll Maestro, Lob City Passeur, Flashy Passeur en Hall of Fame avec les mêmes stats que 2K17. Maintenant, un meneur dribbleur mixé avec un Lockdown Defender aura moins de contrôle de balle, moins de stats aux passes, et à savoir qu'il n'aura aucun badge défensif. Ce sera exactement les mêmes badges qu'un meneur, dont je vous ai cité juste avant, avec simplement les interceptions légèrement supérieures ainsi que les blocs. Mais à savoir qu'un meneur lockdown a la vitesse et l'accélération et le stamina et l'endurance complètement au maximum.
Un meneur dribbleur avec, combiné avec un slasher aura tout simplement moins de contrôle de balle, mais très légèrement moins. Le contrôle de balle est quasiment au max, aura moins de stats au pass. Le 3 points est quand même très bon. Et ce qu'il y a en plus, c'est simplement le badge Ankle Breaker en Hall of Fame. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère beaucoup, beaucoup de positifs pour NBA 2K18. Cette vidéo est la toute dernière que vous verrez sur 2K16. Comptez sur moi pour les tutos badge, dribble, gameplay et compagnie. Moi, je vous dis I'm out. Prenez soin de vous et précommandez 2K18. Sincèrement, précommandez-le. Allez, moi, je vous dis I'm out et je vous kiffe. Allez, peace out.